Majesté, écoutez-moi. Yo, je suis ici, dans le coin gauche. Ce caméraman est une vraie merde. Hercule et moi, nous avons trouvé ce qu'ils vous font. Je vous souhaite. Sinon, je vous jette au lion. Je vous ai demandé de m'aider à mettre du piquant dans ma vie sexuelle. Comme vous le savez, j'ai tout essayé. J'ai vendu ma jument, la plus belle, pour me payer les services d'une sexologue. Ma libido me ronge l'intérieur. Darius, mon homme à tout faire, est découragé. Les danseurs du village ont le kakeba. Et ma fille, qui ne pense qu'à descendre les marches sans raison, vous n'êtes qu'une bande d'incompétents. Nous avons ce qu'il vous faut, vieux tordu. Comment osez-vous me parler sur ce ton? J'ai le droit, comme tout le monde, de vivre une sexualité épanouie. Je n'ai aucun tabou. Aucun. Alors fermez-la, regardez bien ceci. Oh. Mais il n'a qu'une seule sandale. Non, mais monsieur, une sandale. C'est incroyable. Je n'en crois pas mes yeux, une sandale. Si je puis me permettre, votre majesté, vous avez ici une belle occasion de prendre votre pied. Un homme qui ne porte qu'une sandale connaît de toute évidence les rouages de l'amour. Vous avez vu ses pédicures? Il n'a pas l'antre orteil moussu. Admettez-le, Balballon et Hercule ont du goût. De grâce, épargnez-leur, les lions. Sa majesté enverra-t-elle Balballon et Hercule aux lions? C'est ce que vous saurez lors du prochain épisode de l'épopée d'Hercule. Mais c'est quoi ça? Bravo, c'est vraiment excellent. C'était très synchro avec les lèvres. Super crédible. Prochaine audition, c'est pour Téléannonce. Vous savez, le canal qui passe toutes sortes de produits, on est longue, là, mais il y a quelqu'un qui décrit ces produits-là. Hein? Alors, il cherche une voix pour remplacer la personne qui était là. Alors, Isabelle, tu serais bonne là-dessus. Alors, je te demanderais de prendre place. Si d'accord. Isabelle, tu joues le rôle d'une personne que ça fait 30 ans qu'elle lit les petites annonces au canal Téléannonce. Okay. Dans 3, 2, 1, action! Congélateur de 4 pieds par 6 pieds, idéal pour l'amateur de chasse au gros gibier, n'a servi que quelques fois, on demande Dave, la machette Tremblay ou un 800 Bloody Rider. Recherche colocataire pour partager un 3,5, voisinage tranquille, pas bruyant, contactez Carla ou Malka au 555-5555. Recherche scie à métal ou clé passe-partout, contactez Momo derrière les barreaux. Bonjour, je suis Gizmo de Marineland à Toronto. Je suis un beluga à la recherche d'une belle fille. Vous pouvez me joindre au 555-5555. Container à bétail entièrement transformé pour le voyage et l'aventure, petit matelas en paille et chaudière de plastique pour uriner. On demande au réfugié politique Amiraso Jalbala au 555-5555. Superbe chaise berçante antique. En parfait état, son seul problème, elle sent comme un mélange de paparman, d'huile de camphre et de petit lait cru. Raison de la vente, pépère est mort, fait que contactez-le pas. Imperméable beige, discret et passe-partout. Idéal pour faire bonne impression dans les parcs et les cours d'école. S'ouvre et se referme très facilement. On demande Ghislain à l'Institut des prédateurs sexuels au 555-555. Il risque d'avoir pas mal d'appels au 555-555. Alors, on poursuit avec notre campagne de publicité pour tourisme irakien, n'est-ce pas? Maintenant, c'est au tour de Marie-Lise pour une campagne pour vendre des condos. Alors, je il y a des condos là-bas. Des condos. Alors, tu vas découvrir ton texte sur le télésouffleur. En place. Attention, tourisme irakien, audition Marie-Lise Boup. 3, 2, 1, action! Vous rêvez de vivre dans un paysage enchanteur où vous pourrez voir vos enfants grandir, ou peut-être pas. Vous aimez le sable chaud, même dans votre assiette. Les combonus... Les condominiums Bagdad vous proposent ces superbes condos fraîchement rénovés où les travailleurs ont été exécutés par des professionnels. Je veux dire, les travaux ont été exécutés.
La plupart de nos cuisines sont quasi fonctionnelles. Il y a l'eau courante même sur le plancher et dans les murs. On vous a toujours fait croire qu'il fait chaud à Bagdad. Rien n'est plus faux, car tous les condos sont à air ouverte. Oui, à une certaine époque, il y a eu un léger problème de gang de rue, mais depuis, la sécurité a été grandement améliorée. Les condominiums Bagdad, c'est un avantage avantageux. Plus besoin d'allumer la télévision et vous laisser mentir par CNN pour savoir ce qui se passe en Irak. Juste ouvrir les rideaux et laisser vos yeux rêver à votre place. Allez, ne ratez pas votre chance de faire partie du gros boom immobilier de Bagdad. Ouais! Bravo! Je sais pas si je vais investir là, mais c'est quand même assez convaincant. On s'en va à la pause, on revient avec d'autres auditions dans 2 minutes. Ouais, ouais! Ta femme est où? Oh! Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par www.pagejaune.ca. Regarde ça! Windex est si puissant qu'il agit même avant de l'essuyer. Pour tous ceux qui aiment les éclats sans trace, Windex est le meilleur sur le verre. Dentinize Frostbites. Méfiez-vous de leur petite taille. Personne n'y croyait, mais il a montré au monde entier. Voici l'incroyable histoire d'un homme. I don't wanna say Maurice Tight. I want the rocket. Qui s'appelait Maurice Richard. De retour en salle dès le 21 avril. Cet été, la fabuleuse histoire d'un royaume vous donne rendez-vous au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Découvrez un spectacle gigantesque, rempli d'émotions, qui dure depuis 19 ans. Laissez-vous transporter par des effets sonores épatants et un déploiement visuel à couper le souffle. Réservez vos billets dès aujourd'hui et informez-vous sur nos nouveaux forfaits famille à partir de 93 $. La Fabuleuse, une présentation de TELUS en collaboration avec la Ville de Saguenay. Cuir Dimitri, le roi du cuir, coupe ses prix ou plancher sur toute marchandise sans aucune compétition. C'est la dernière semaine du méga-vente, le monde devient fou. Manteau de cuir pour hommes et femmes au bas prix de 79 $. Il nous reste quelques jours, profitez-en. Cuir Dimitri, la méga folie vente à ne pas manquer. Cuir souple, seulement 149 $. Balance inventaire de 4 millions de dollars qui doit être vendu. Pourquoi payer plus? Achetez direct. Vous serez impressionné par une vaste sélection de couleurs et de coupes européennes pour hommes et femmes. Dépêchez-vous, venez chez Cuir Dimitri. 540 Henri Bourassa Est, 3879 Boulevard Taschereau. C'est la dernière semaine du méga-vente. Zellers célèbre le printemps avec l'événement Les plus bas prix de la saison. Consultez notre cahier publicitaire pour nos meilleurs prix sur tout un choix d'articles. Vous serez emballé par nos coups de cœur printaniers. Cette semaine, toutes les chaussures sont en solde. Obtenez-en une troisième paire en prime à l'achat de deux. Et les essuie tout Bounty sont à seulement 4,44 $. Passez vite chez Zellers pendant l'événement Les plus bas prix de la saison. Des rabais comme ça, ça ne dure pas éternellement. On va faire la tour à la voiture. C'est toi, le célèbre Dundee? Où est-elle? On ne touche pas à la bête du légendaire australien. Mick! Les flics peuvent peut-être la protéger, mais avec moi, c'est plus sûr. Moi et mes gars, on l'aura, votre Dundee. Pour eux, ce n'est pas un jeu. Pour moi, si. Un safari où le guide se fait un malin plaisir de faire découvrir la vraie nature sauvage de l'autre bout du monde. Paulo Gunn remet ça dans Crocodile Dundee 2, ce soir, 20h. Votre mission, Jim, si toutefois vous l'acceptez. Un film signé Brian De Palma. On est tombé dans un piège. La liste est à qui veut la prendre? Pas que le quartier général de la CIA. Il est sérieux? Toujours. On les entraîne à être des fantômes. Tom Cruise, John Boyd, Jean Reno, Emmanuel Béard. Vous ne m'avez encore jamais vu quand je m'énerve. Mission Impossible, ce samedi, 18h30, à TQS. On est de retour
Et la prochaine audition, c'est pour une nouvelle campagne anti-tabac. Le gouvernement a décidé de retirer les photos sur les paquets de cigarettes. Tu sais, la photo de la bouche, là? Super LED, là. Mais on l'avait repris, mais c'est à quelqu'un, ça, cette bouche-là. Là. À chaque fois qu'il part à rire, le monde font « Ah, c'est toi, il est tatané. » Fait qu'ils ont décidé de l'enlever et ils vont remplacer ça par des vidéos. Des vraies petites vidéos. Là. Bon, c'est sûr, ça va coûter 75$ le paquet. Mais bon. Alors, on cherche des comédiens crédibles et convaincants. Mais bon, on va commencer par Gildor. Alors, Marie-Lise, Isabelle, si vous pouvez tenir le paquet à Gildor. Et là, je parle de l'autre paquet. Là. Alors, c'est pour la marque Dumouriez. On va monter. Alors, Gildor... C'est la première fois que deux filles me tiennent le paquet. Ah. Non, mais... Profite-en. Alors... Ça va pas longtemps. Gildor, tu personnifies un ancien fumeur au bord des nerfs. Alors, nouvelle campagne anti-tabac avec Gildor Roy dans 3, 2, 1, action! Écoute-moi bien, toi, là. Commence pas à fumer, OK? Parce que si tu commences, il va falloir un jour que tu arrêtes. Puis tu vas voir que de mâcher de la gomme en nicotine, ça rend violent. Puis enlever une patch poignée dans le poêle, ça fait mal. Tu comprends, là? Puis là, donnez-moi quelque chose à me mettre dans la bouche, sinon je vais être obligé de vous mordre. Toi, tu commences pas à fumer, sinon je t'arrache la tête. Je t'arrache la tête, puis je la fume. Alors, tu vas à la place d'Isabelle. Très bon, très bon. C'est autour d'Isabelle Brouillette. Isabelle, toi, c'est un message qui s'adresse aux enfants, parce que les jeunes commencent à fumer de plus en plus tôt, c'est épouvantable. Alors, pour les enfants, Isabelle Brouillette, 3, 2, 1, action! J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac, je le prends à haut. J'ai seulement 5 quarts de bouchée, mais ça ne m'empêche pas de chanter. J'ai du bon tabac, il donne le cancer. J'ai du bon tabac, je vais mourir comme ça. C'est bon, bravo, Isabelle Brouillette, bravo. Et maintenant, au tour de Marie-Lise. Tu vas jouer le rôle d'une personne, ça fait 25 ans qu'elle fume 2 paquets par jour. Oh, 3, 2, 1, action! Depuis que j'ai commencé à fumer... Hey, je pète le feu, mais c'est pas tout. Je crache aussi. Partout, sur la rue. Non, hein, même au restaurant. Même. Mais dans ça là, je traîne ma chaudière parce que... Non, non, mais je veux surtout pas là, écœurer le monde là, qui mange avec mes morvias. Non, mais... Non. C'est pas bien là, là, depuis que je fume, mais je crache plus que Sylvester Stallone dans toutes ces Rocky. Avoir l'air de mourir à longueur de journée, là, à votre place, je cracherais pas là-dessus. Non, mais... Hey, fumez! Vous allez voir! C'est écœurant! Jure et cracher! Bravo! Ah, oh, ouais! C'est très fort, c'est très bon! Ouais. Prochaine audition! Attention, c'est pour le gouvernement fédéral qui cherche une nouvelle voix pour sa boîte vocale. Vous savez, quand on appelle au fédéral, ben, y a une voix qui répond si jamais quelqu'un annonce une boîte vocale. Alors, Marie-Lise, c'est très bonne pour ça. T'as une voix fédérale. Je sais pas pourquoi. Alors, ton texte va être sur le télésouffleur. Okay. Alors, attention, Marie-Lise Bourque auditionne pour faire la voix sur la boîte vocale du gouvernement fédéral du Canada. Dans 3, 2, 1, action! Bonjour, vous êtes sur la boîte vocale du gouvernement du Canada pour le service en français. Faites le 1. Pour le service en anglais, faites les autres chiffres. Veuillez patienter, un de nos dynamiques fonctionnaires vous répondra sous peu. Votre appel est important pour nous. Tout,
Avez-vous consulté notre site web au www.gouvernementfédéral-ottawa-canada-service-administratif-rapide-à-la-population-desservie-par-les-autorités-nationales-et-régionales.com? Faites-le. C'est si facile. Ah! Vous êtes encore là. Malheureusement, nos bureaux sont présentement fermés. Mais rappelez demain et souvenez-nous que votre appel est important pour vous. Bravo! Bravo! Prochaine audition, ben, c'est ce qu'on appelle gros plan émotion. Parce que pour un acteur, c'est bien important de laisser passer l'émotion juste par l'expression du visage. Alors, c'est ce talent-là qu'on va découvrir dans la prochaine audition. Alors, je vais demander à Gildor et Isabelle de venir me suivre, s'il vous plaît. On va prendre place, s'il vous plaît. Alors, Gildor, tu vas être ici. Isabelle, que tu sois là. La grandeur de Gildor, tu vas monter là-dessus. Alors, ça va être une audition improvisée parce que je vais vous raconter une histoire et là, on va avoir un gros plan sur votre visage et vous dites rien, vous me faites sortir l'émotion par votre expression faciale. Okay. Je raconte l'histoire, OK? Attention, 3, 2, 1, action! Vous êtes sur une jolie colline. Le soleil est doux et la température est parfaite. La personne de vos rêves est à vos côtés et vous prend par la main. Avec un sourire langoureux, vous vous mettez à courir en descendant la colline. En riant, au ralenti. Okay. Vous vous laissez tomber dans les herbes hautes. Reste dans l'écran, Gildor, s'il te plaît. Et vous vous cajolez du bout du nez. Vous vous approchez doucement pour l'embrasser. Mais malheureusement, la personne de vos rêves a une hygiène buccale épouvantable. Vous l'embrassez quand même. Coupé! Très fort, très fort. Bien. Prochaine audition, ça vient de la Belgique. Alors, c'est la Ligue nationale d'impro belge qui recherche des joueurs actifs, créatifs, intelligents. Ça a l'air qu'en Belgique, il n'y en a pas. Alors, veuillez prendre place à notre théâtre, s'il vous plaît. OK. Alors voilà, je vous donne un objet et vous devez improviser avec. Et il s'agit d'un spaghetti de piscine. Ligue d'impro belge, audition 3, 2, 1, action! Ça fait juste penser à une affaire. Mais là! Bonsoir, bienvenue en Afrique! Attends! Oh oui! Cartoon? Tout dans le bac en arrière. Au cas par là. Ouais. J'ai du bon tabac dans ma table. J'ai du bon tabac. Elle fera au cas. Okay. Et le beauté raté. Oui. Excusez. Regardez, je reviens du pet shop. Il est cute. Ouais. Pensez-vous que je me suis fait fourrer? Je pense que oui. j'ai-tu quelque chose pour pogner d'un dent? Oui, à ta peu, je veux-tu mon cure-dent? Regarde ça. C'est quoi? Attention au virus du Nil. C'est bon, j'ai aimé ça. Non, je peux pas. Mon Dieu, Monsieur Roy, votre colonoscopie est parfaite. Ah.
Ouais, c'est ça. Ça fait 3 jours que je la fume, là. Ah. T'as du beau tabac. T'en as ta matière. Oh, mon Dieu! Oh, hey, attendez, à partir du 14 avril, au Casino de Montréal, Gilda! Et j'ai une plume dans le casino! J'ai une plume! No! Car offrez-vous le meilleur camion. Qui et moi, côté chaussures, on a les meilleurs. Juste au cas. Inspecté, garanti et plus encore. Offrez-vous le luxe à prix abordable chez Cité Mitsubishi au 8665 Descaries, coin métropolitain. Alors, c'est le moment des auditions en rafale. La tour de rôle, placez-vous, s'il vous plaît. Alors, des courtes auditions. On commence par Marie-Lise, s'il vous plaît. Oui. Marie-Lise, t'es un homme qui essaie le Viagra pour la première fois. Oh, oh quel engin ce matin. Tu joues le rôle? Oui, bravo, bravo. Tu joues le rôle d'un ministre honnête. OK. Ah, ben bonjour. Je suis un ex-membre du Parti libéral. Bien. C'est un comptable dans un party de bureau. Oh. Marie-Lise Beau, bravo. On poursuit avec Gilda Roy. Gildard, me ferais-tu, toi, un homme qui voit à travers le linge? Quel engin ce matin! Okay. Tu me connais trop bien. Alors, ensuite... t'es un jongleur de scie mécanique. Oh! Hey! T'as une bonne scie mécanique. Fais l'annonceur à l'hippodrome à la commande de l'auto. D'accord, mademoiselle, la barrière est en mouvement. The gate is moving. Dans la première, je vais prendre un hot dog followed by une frite puis un coke. Gilda Roy, c'est bon. Isabelle Brouillette, attention. Isabelle, tu me joues le parrain qui vient de se cogner l'orteil. La putain d'étable! Venez! Coupez-moi la table avant mon saut et tu me fais des brochettes avec! Une danseuse du ventre au Nunavut. Isabelle Moyenne, bravo! Félicitations! Bravo, bravo! Très bonne audition encore ce soir. Merci beaucoup. On les félicite. Ouais, bravo, bravo. Merci d'avoir été là. Rendez-vous demain. Bye bye. Merci. Voyez Paul Hogan dans Crocodile Dundee 2 au cinéma de TQS après la pause.